Cucu tout le monde, qu'est-ce que tu fais là toi? Et bienvenue pour un nouvel épisode. Oh la vache, en plus ils font crac crac, et heureusement que tu t'en es allé. Du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Ah bah non, trop tard, il a vu ses parents faire crac crac, ça y est, c'est du drame. Il va aller pleurer dans sa chambre. Ou juste dormir, c'est pas mal aussi. Voilà pour le nouvel épisode. Alors, nous sommes en été, d'accord, et il fait chaud et il y a des orages. Mais c'est super, ça ne m'avait pas manqué. Oh oui, il y a des orages qui ont des éclairs qui sont venus péter. D'accord. L'anniversaire de Joris. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je vais juste faire... S'il vous plaît. Voilà. Merci, madame. La petite terrasse. Ok, so aujourd'hui on est mercredi. Les filles ne sont pas rassurées. Elles font pipi. Elles ont faim. Ah oui. Il est 6h du mat quand même, les filles. Vous êtes un peu en avance pour aller à l'école. Oh, j'ai faim. Ben, va manger. Va manger, Lidvine. Car là, elle va faire pipi. Et après, t'iras manger aussi. Bon. Pour l'instant, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Ouais. Ah, et Gabriel vient de se réveiller. Et lui, il a besoin de se laver. Il pue. Il pue et il va pipiter. Et tu vas retourner au lit un petit peu. Ah non, parce que toi, tu vas taffer. Attends, je sais plus, moi. Travaille dans 3 heures. Programmation terminée, tout ça. Bon, bah, nickel. Tu iras à... Je pense que... Luminou, il chante. Tu vas... Web, parcours Simpedia, vu que tu dois être concentré, comme ça, tu auras peut-être une promotion. Ah, la dernière fois, on avait fait grandir le petit... Ludwig. Mais attendez, je vais pas changer ses fringues. Est-ce que tu peux te changer de tenue? Non. Bah, alors en fait, si, mais j'ai pas dû enregistrer. C'est génial. Hein, j'ai fait tout ça pour rien en fait. Ah ouais, ouais. Ouais, non, mais ça, j'ai pas mis ce genre de tenue. Ça, c'est clair. Tant pis. Ben, on va. En même temps, j'avais pas changé sa tête, sa coupe de cheveux. Donc, au moins, on sera pas dépaysé. Oh, c'est bon, arrête de te plaindre. Joue au docteur un petit peu. Ça te fera les pieds. Ah! Ok, d'accord, Joris. C'est comme tu veux. Va manger un truc. Tu vas manger un truc. Tu sais, à cause de... Mais non! Mais non, tu vas être amical. Oh là là! La porte du frigo, merde, hein! Petit con, va. Ah, Heidi est levée. Heidi va manger des spaghettis dès le matin, c'est logique. Bon, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, et puis elle aussi, elle claque la porte. Mais... Tu peux manger ton truc, là? Qu'est-ce que vous avez? Ah non, je me trouve court de... Ok. Non, et lui, il va juste apprendre celle qui veut pas manger sa part de gâteau. Non, mais quand même! Vous n'allez pas me saouler, non, on est le matin. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais... D'accord, mais Carla, tu fais quoi? Tu peux jeter, s'il te plaît. Là, tu vas complimenter ton frère. Gabriel, il va bosser dans une heure. Allez, va faire tes Simpedia, là. Voilà. Au moins, ce sera fait. Lorelai. Heidi, c'est pas Lorelai. Oh, mon Dieu. Heidi, elle mange tout ça. Après, tu iras faire tes petites choses. Je crois qu'il partait tout à l'école. D'accord. Oui, non, mais d'accord. Tu pourras ranger ça, stop. Tac. D'accord. Mais tu peux aller en cours, toi, non? Mais pourquoi ils ont pas... Cours de 24 heures. Ah bah oui, lui, il vient de se lever. Il vient de se lever. Oh là là, mais... Il vient de devenir
enfant, donc il va pas encore à l'école. Très bien. Allez, Lidvine va à l'école. Dépêche-toi. Faudrait pas que tu te chopes un éclair sur le coin de la tronche, ce serait dommage. Joris, toi aussi, tu vas à l'école. C'est affreux, moi j'aime pas quand il pleut, ils peuvent rien faire. On parle d'avoir des flaques de goût, de goût. Des flaques de goût. Ouais, d'accord. Non, toi tu vas. Si t'as faim, tu manges ça. Allez. Ça suffit, hein. Commencez pas à me casser les panards, hein. Ouais, c'est pas grave. Tu vas écrire. Oh là, tu vas écrire un livre de genre scénario. Allez. C'est parti, mon kiki. Toi, tu vas pouvoir jeter ça. Ouais, on va lire ça. C'est très bien. Gabriel va travailler. C'est très bien, c'est parfait. On va viser peut-être la promotion today. Ce serait pas de refus. Après, il gagne pas mal déjà, mais bon, tant qu'à faire, on va augmenter le pognon de la maison. Différents créatifs. Enfin, Gabriel a présenté sa propre idée de jeu et le PDG est intéressé. Le seul problème est qu'il veut y apporter quelques modifications qui rendraient l'ensemble du concept plutôt nul. Ah, ça craint. Gabriel peut défendre sa version du projet en espérant pouvoir la garder telle quelle ou proposer le jeu à un autre studio. Oh, non, non. On va voir. Gain de performance petit. Tout le monde l'adore sauf le PDG. D'accord, bah nickel. Lui, je lui fais bosser ses émotions, ses qualités personnelles. Comme ça, on va être bien. Ou presque. Et après, tu retourneras faire du truc docteur, là. Comme ça. Tu seras au top, mon petit. Oh my god! Il y a l'éclair qui vient de tomber sur la madame. Elle s'est pris la foudre, mais elle a été électrocutée, quoi. Ah putain! J'ai entendu l'éclair qui allait hyper fort et en fait ça lui tombait sur le coin de la gueule donc voilà. Bah madame, restez pas là hein, c'est dangereux. Bah oui, parapluie, tout ça, c'est très dangereux. Moi je sortirai pas à votre place hein. Ça craint! Ça craint beaucoup. Pour l'instant, pas encore de dégâts dans notre jardin. J'ai envie de dire tant mieux hein, parce que. Pas que ça foute nous de racheter des machins. Surtout notre balançoire, vu qu'on l'a mise il n'y a pas très très longtemps, donc tant mieux. Si pas de dégâts, et bah pas de problème. Trop bête. J'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école, mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs. Je suis peut-être trop bête. Qu'en penses-tu? Persévère, on s'améliore en pratiquant. Concentre-toi sur les autres matières. On va faire résolution de conflit. Oh là là. Oh la responsabilité! Mais t'as déjà fini tout ce que je t'ai demandé de faire, toi. Là, tu vas faire tes devoirs. Voilà. Ça n'arrête pas l'orage. Ça n'arrête point. Faudrait qu'on voie un Sim se faire prendre la foudre, mais bon. Ah, il y a des pommiers. Et des pommes qui sont disponibles. Mais bon, on va pas réclamer des pommes maintenant. Ce serait dommage. Tu veux discuter? Bon après, ils sont tous stressés à cause de l'orage, c'est peut-être un peu relou, ça. Parce que c'est un peu chiant, quand même. Ah, elle a fini le bouquin et les enfants sont de retour. C'est magnifique. Tu vas prendre, alors, tu vas vendre ton éditeur, ça, et tu vas prendre le courrier. Je pense que c'est encore des trucs. Tu peux rentrer là, rentrer les enfants. Oh là 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 là. Là, je vais prendre une douche. Toi aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est con! Mais qu'est-ce qu'elle est bête! Et toi, ça va. Ouais, mais ils sont trempés, ben bien sûr. Pourquoi la télé elle fonctionne? Ah, c'est lui qui fait ça. Eh bien, c'est tant mieux, tu vas faire tes devoirs si tu vas bien. Mais elle est où? Ah, elle est là, j'avais pas vu. Heidi, Heidi, oh, on a des graines. Oh, mais on s'en fiche un peu, hein. Une tulipe. La tombe de maman.
La tombe de Loki. Oh, pauvre bête. Quand même plein de merdier là-dedans. Alors, attendez. Heidi. Oh, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Joris? Mais non, je vous crois pas. Mais si! Ah merde! On va cuisiner un gâteau au chocolat. Ah, je reviens pas! Il est déjà ado! Oh, mais non! Mais non, mais si, mon petit! Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas améliorer ton docteur. Ton empathie, comme ça on va. Voilà, on sera mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, ça y est, et ça commence à bugger là. Il a été transporté là, je sais pas comment, mais bon. Mais va pisser, Coco! Qu'est-ce que tu me fais? Va pisser, va pisser, va pisser, va pisser, va pisser, va pisser. Franchement, je vous jure, c'est compliqué, hein. Les Sims se compliquent la vie. Toi, tu iras aussi aux toilettes après. Tu iras aux toilettes là. Et tu feras tes devoirs. Mais c'est qui que tu connais là qui a un super chapeau? Eh, ah oui. Genjin Tanaka, d'accord. Qu'est-ce que tu fais toi? Manger sandwich, ok. Ah non, c'est là! Hein, j'en ai eu des. Des gamins qui prenaient le gâteau. Non mais il a un problème, hein. Oh là là! Ludwig, tu es complètement pété. Maman, Oh, des gâteaux. On l'a tendrement. Ah, Gabi, il a eu 624. Il n'a pas réussi donc à choper sa programmation. Les bougies, on avait le gâteau qui était préparé. Ah! Non, je suis pas d'accord. Il sera pitre et membre de groupe d'un pote et en aspiration, je m'en fiche. On va le faire popularité, allez. Un fêtard. Go! Oh là là, c'est buggé, hein. Fais voir à quel point tu es beau, pain, mon petit Joris. Oh la vache. T'as des yeux violets, mais alors les pommettes, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon bah voilà, on a loupé l'anniversaire de Joris, hein, mais il va être triste à mourir. Maintenant, tu peux plus jouer au docteur, hein, mon petit. Oh, je suis tristesse. Bah, tu peux aller... Voilà. Bah voilà, hein, c'est un peu loupé tout ça. On va enlever. Non, on va garder les bougies parce que je crois que dans le calendrier, les filles, elles vieillissent dans très peu de temps. Ouais, donc bon. Voilà, Gabriel va devenir vieux. Après, c'est elle qui va devenir vieille. Et après, ouais. Donc dans pas beaucoup d'épisodes, hein, on va procéder au vote. Ah bah dis donc. Oh! Attendez, c'est tombé ici, ça nous a flingué un truc ou pas? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on a encore notre table? Aïe 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 aïe, ça fait peur, hein? Heureusement que dans la vraie vie, il n'y a pas autant de... Hein? Bah, viens manger, viens pisser. Et tu vas programmer. Et elle est contente parce que son père est là. Super. Continue de travailler en indépendant. Je pense qu'ils sont légèrement buggés, mes Sims. Je pense. Allez, dis donc. Non, dis-moi pas que t'es gaulé comme Gunther, hein, parce que ça va pas le faire, mon petit. Tac, tac. Tu vas, on va prévoir une tenue, on va le relooker direct. On va voir comme ça à quoi il ressemble, mais effectivement, même s'il a les yeux violets, les pommettes, moi, si, ça passe pas. C'est aussi pour ça qu'Heidi ne faisait pas partie de mes préférés. Il est pas laid, hein! Mais regardez-moi les pommettes, c'est pas possible. Ces espèces de boules, là. Ouais. Ouais. Et alors, c'est soit le débardeur qui est très très moche. Ouais, non, mais je t'enlève tout là en fait.
Ouais, il est gaulé comme son père. Mais il est... C'est bizarre, en fait. Il est très bizarre, mais en fait. Ah, je suis déçue. Et on voit que la glace régime a fait des miracles. Bon, ben voilà Joris, le premier candidat pour le vote. Au final, je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et je vais le relooker, je vous retrouve donc juste après. Et j'en profiterai aussi pour relooker Ludwig. Et Ludwig, il aura pas la même tête que Joris, parce que regardez, il a le nez comme sa maman. Il a aussi les pommettes. Donc bon, s'il ressemble plus à sa mère que Joris. Et là, il y a les sourcils qui ont sauté. Tout va bien. Allez, je vous retrouve quand Joris sera relooké. Et voilà pour le relooking de Joris. Alors effectivement, vous allez dire, mais elle a fait la même coupe de cheveux que Harold et le même bouc que Gabriel. Et j'ai envie de dire oui, parce que Joris, il aura grandi avec son oncle Harold et son père. Il a dit ouais, moi j'aimais trop le look de mes de ces figures masculines. Du coup, je lui ai mis cette coiffure-là qui ressemble beaucoup à celle d'Harold puisque c'est la même, sauf que c'est dans une autre couleur. Avec son look, premier look de journée. Deuxième look, et oui, avec la coupe un peu plus coiffée, on va dire, tout ça, hein. Avec toujours le kit lessive, j'aime beaucoup le kit lessive pour les hommes, j'adore les fringues. La tenue, pardon, habillée, la tenue de sport, la tenue de dodo, la tenue de fête, la tenue de maillot de bain, la tenue de temps chaud et la tenue de temps froid. Où j'ai sorti le petit bonnet. Quant à Ludwig, voici sa tenue de temps froid, sa tenue de... Oh, les sourcils. Il vient juste de sauter, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, première tenue. Zen, première tenue de quotidien et la deuxième c'est celle-ci, la tenue habillée, la tenue de sport, la tenue de sommeil, la tenue fête, la tenue maillot de bain, la tenue de temps chaud et la tenue de temps froid. Et voilà pour le relooking des garçons. Oh là là, le chiotte, il est dégueulasse. Tu sais ce que tu vas faire toi? Tu vas le nettoyer, dis donc, j'avais pas fait gaffe. Bon, alors. On retrouve notre Joris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va danser. Non, ben non, mon coco, tu vas faire tes devoirs. Voilà. Tu vas faire tes devoirs. C'est fou comme. Il ressemble à son père, mais avec les pommettes de sa mère, en fait. C'est vraiment ça. Alors que je pense que Ludwig, lui, sera beaucoup plus comme sa mère. Il sera énormément plus comme sa mère. Toi, tu as déjà fait tes devoirs. Ok. Les filles. Les filles, mangez. Et devoir. Toi, tu vas aller aux toilettes et manger. Tu es déjà aux toilettes. C'est magnifique. Ah, il a gagné des sous, Gabriel. Et après, tu feras tes devoirs. Ah bah non, tu les as déjà fait. Ah bah c'est magnifique. Bah écoute, tu es parfaite, ma petite Litvine. J'ai tellement hâte de voir les filles grandir. Je vous assure. Va manger, toi. Va te déstresser un coup. Est-ce que tu as fait seulement 25% de programmation? Ok. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais non! Tu vas manger! C'est quoi ton problème? Oh, il est cassé! Mais tu sais quoi, tu vas réparer le frigo après. Mais voilà, un premier ado dans la famille déjà. Oh là là, ça passe vachement vite. J'ai l'impression que on était en lune de miel avec Heidi il y a quoi? Il y a 2-3 semaines. C'était pas du tout le cas, mais ça passe quand même très vite. Sachant que je suis sur ce challenge depuis le mois de septembre, il me semble. Donc, vous imaginez, on est en juillet et j'y suis encore. Hein? Je prends le temps finalement de vous montrer toutes les journées qui se passent. J'espère que vous ennuyez pas trop. Et si vous ennuyez, j'en suis désolée. Et puis toi, oh là là, mon ami, c'est tombé pas loin. Tu vas reprendre le sandwich. Ah, ça nous a cramé la table. Oh là 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 là. Voilà, il fallait bien que ça nous tombe dessus, hein. Au bout d'un moment, tout ne peut pas être parfait dans les Sims. Alors, lui, il a réparé. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va pas dormir, idiot! Va manger? Ah non, pas la glace régime, ça suffit la glace régime. Hein. Oh, mais il y en a encore pour combien de temps cette glace régime? J'en peux plus, moi. Va prendre un chili, là, je sais pas quoi. Vas-y. Casse pas les pieds, hein! Oh, les frères et sœurs se font un câlin, c'est trop mignon.
Lui, il est aussi terrorisé par les éclairs et orages. Très bien. Ils lui font des petits câlins, hein, tout va bien, quoi. Dans le meilleur des mondes. Mais moi, ça me fait peur, hein. C'est quoi les fleurs qui ont fleuri ici? Des herbes à chat? Ah ouais? Non, mince alors. Je savais pas qu'il y en a un qui fleurissait ici. Ah ouais, c'est rigolo. Je pourrais peut-être avoir un chat, un futur. Ouais, on va récolter de l'herbe à chat. Hop, Garance. Non, on va pas aller au resto. Non, on n'a pas, tu vois pas, on n'a pas de parapluie nous dans la maison. Tu vas manger, Joris? Ça me fait trop bizarre de te voir grand maintenant. Je suis pas prête là. Je suis pas prête tout ça. Pour moi, c'est encore des petits enfants et ceux des bébés. Ouf, la porte du frigo. Tu m'étonnes qu'ils cassent ce frigo s'ils sont toujours en train de claquer la porte comme ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais, toi? Enlacer. Ok, toi, t'as envie d'enlacer tout le monde. T'es comme ça. T'es. Tu fais quoi? Tu vas jouer avec émotion, avec tes trucs là. Tu vas te contrôler un peu tes émotions, toi. Joris, arrête! Tu manges ta compote de pommes. Ah, mais franchement. Tu vas mettre la table. Décontracté bleu. Qu'est-ce que t'as, Gabriel? T'as été choqué de quoi, là? Vous avez un problème dans votre vie, hein. Il est fatigué, Gab. Et je t'avais demandé, du coup, on va créer un module d'extension. Voilà, comme ça te fera bosser. On va suivre Heidi au cas où elle se prendrait la foudre. Vas-y! Elle même pas va y aller. Elle a trop la flemme. Regardez. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu! Allez, retourne-y. Mais elle est sérieuse. Ils peuvent rien faire en fait quand il y a de l'orage. Ah, c'est chiant. Jouer dedans. Vas-y, va jouer dans la boue. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il poste un message? Je m'en fiche. Bon, vas-y, rentre. Oh, puis alors, il n'y a pas le bouton rentrer. Donc tu vas rentrer. Tu nous as fait quoi, toi? Je m'en fiche que tu trouves un correspondant, mon gars. Oh, dis donc, tu vas te calmer, hein. Tu vas courir pour te vider l'esprit, moi, je te le dis, hein. Et tant pis si tu te prends la foudre, hein. Non, mais oh, tu me parles pas comme ça, tu ne fais pas sur ce ton, hein, je te ferai dire. Ouais, d'accord. Va pisser. Va pisser, c'est très bien. Hop, 41 simflouz seulement pour. Qu'est-ce que tu fous à poil, Gabriel? J'ai pas compris là. Tu n'as pas encore tout fait. Tu vas programmer, modifier des jeux, continuer à jouer. Modifier Big Black. Très bien. Joey, ici, s'est cassé la tête. Les filles, elles sont parties se coucher. Ouais, vous n'êtes pas forcément très fatigués, les filles. Hein. 22 h, bon, c'est vrai que ça commence à être une heure correcte. Ludwig, tu vas aussi après aller te coucher. Oh, il arrête pas de se cogner, mais il est con, lui aussi. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais tu vas pas dormir là, non? Je ne pense pas. Tu vas faire le ménage. Ça te fera les pieds. Wow! Il y a un truc qui est tombé dans le jardin. Un plumobus. Beau bus. Et comme d'hab, on peut pas les vendre. Ah, au moins celui-là, on l'aura récupéré. Ils nous ont cramé une table, mais on aura récupéré un truc. Ouais, il n'y a rien d'autre pour l'instant. Regardez la table. Oui. On va pas la remplacer maintenant, ça sert à strictement à rien. Vraiment, vraiment, ça ne sert strictement à rien. Hop, hop. Et tu. Et oh là, mec! Mais what? Mais ils se téléportent ici! 75%, tu vas continuer, Gabriel. Tu te fous de moi, tu continues à programmer. Modifie les jeux. Ah, tu vas, je mets Sims Go, tu vas modifier. Elle est partie dormir. Ah non, juste dormir, d'accord. Tu seras le dernier debout. Ah! J'ai oublié qu'il était dehors, lui. Vas-y, rentre. T'as raison, rentre à la maison. Ouais. Et on va te faire dormir.
Ça, on sera tranquille. Par contre, Lidvine, si tu peux dormir au lieu de faire une sieste. Juste, je dis ça comme ça. Voilà. Un bon dodo, comme il se doit. Voilà, les filles sont couchées. Lui, il va aller se coucher aussi. Gabriel, tu es le dernier debout. Tu finis ta programmation et tu auras droit d'aller te détendre dans ton lit. On va éteindre la musique. Donc tu te dépêches et voilà, bah, c'est bon. Tu peux être couché, mon grand. À côté de ta femme, chérie. Comme ça, on est bien. Allez, go. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Un peu court, un peu parti dans tous les sens, mais on aura eu l'anniversaire de Joris. Et on l'aura relooké un peu tout le reste de la famille, c'est-à-dire les deux garçons de nos enfants garçons. J'espère que donc cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode du Clito Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!